Je veux le mouchoir. Désolé pour le retard par rapport à notre direct. Nous avions une désirée. Pardon, ferme même tout dehors avec elle. Pardon. Donc nous avons eu un sérieux retard parce qu'on était en retraite. On avait un conclave. On priait Dieu. On cherchait la face de Dieu par rapport à certaines affaires qui concernent l'Église au Cameroun et la jeune génération de serviteurs de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas pu être là. Je n'ai pas pu être là à 10h. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui se connectent, nombreux ce matin. Bonjour à Benjamin Boro, à Marie-Noël Kwame, à Lucha Louran. Bonjour à Stéphie Kouamo. Bonjour à Prophète Brice. Content de vous avoir, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Zara. La Nelilor. Je ne sais pas pourquoi les noms sur Facebook sont toujours compliqués. Hein? Compliqués. Les noms, point. Bampam Zakari, bonjour. Stéphie Kouamo. D'accord, je lui ai dit bonjour. Rachel Efoua, bonjour. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo. Nous parlons des choses qui concernent l'Église de Dieu au Cameroun et dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier. C'est important. La connaissance, c'est l'arme fatale pour remporter les batailles spirituelles. Une Église qui connaît est une Église puissante. Une Église qui ne connaît pas est une Église faible. Donc, c'est la loi et le prophète. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment. Je prie que tu nous assistes en nous accordant un entendement de disciples. Je prie aussi pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés. Seigneur, aide-nous à grandir dans les affaires du royaume. Un jour, nous serons dans ta maison, au ciel. Tout ceci sera passé. Mais pendant que nous vivons encore sur la terre, donne-nous de savoir profiter pour ta gloire de chaque instant qui nous est donné et de considérer que chaque moment qui nous est donné est un don de Dieu. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage la vidéo, s'il te plaît, et connecte-toi surtout. Connecte-toi, je voulais dire, abonne-toi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et appuyez sur le pouce bleu. J'aime la page. Aimez la page. On a besoin de 12 000 pouces bleus. On est déjà au moins à 10 500 ou 11 500. J'aime la page. Donc, s'il vous plaît, le pouce bleu. Mais j'aime. Appuie sur le pouce bleu et que le Seigneur te bénisse comme tu le fais. La bénédiction est dans l'obéissance à écouter la voix du Seigneur. Parce que pour nous, Facebook, certaines personnes avec ce réseau font du mal aux gens ou bien pêchent contre Dieu, se souillent ou font la promotion du péché, de l'immoralité sexuelle, de la magie et de beaucoup d'autres choses. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons utiliser cette plateforme pour faire la promotion de l'évangile. Donc voilà pourquoi quand tu t'abonnes et lorsque tu appuies sur le pouce bleu, tu aides la page à avancer. C'est ta contribution à l'évangélisation. Quand tu partages la vidéo dans tes groupes, parmi tes amis, tu les invites à venir. C'est un peu comme si tu les invitais à assister à un culte. C'est une grâce, une bénédiction et c'est cela que Jésus nous a recommandé. Allez par toutes les nations et faites-en des disciples. Donc voilà, c'est une responsabilité chrétienne, c'est un devoir chrétien, et de partager une vidéo comme celle-ci, ce moment, et de faire découvrir cette plateforme à plusieurs aussi qui ne la connaissent pas. Je vais dire bonjour au prophète Cédric et Marc. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous apprécions ce que le Seigneur fait à travers toi dans notre nation. Beaucoup de courage. Nous sommes dans un champ de bataille. Que Dieu te bénisse.
Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à ma fille Kélia. Bonjour. Il faut dire que Kélia, c'est ma fille. Et ce sont elles qui se chargent, en fait, de mes dents. Elle est dentiste. Donc, dernièrement, j'ai dit que j'allais passer au cabinet. Elles ont dit que c'est quand on va vous voir qu'on va croire. J'ai dit au téléphone, pardon, je serai là. Elles ont dit, on ne croit pas, papa, on ne croit pas. Donc voilà, c'est un peu cela. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler des choses qui chauffent ce matin. S'il te plaît, tu es d'accord avec moi? Tu es enfant de Dieu, tu es un évangéliste. Soyons tous des évangélistes sur Facebook. Partage cette vidéo si dangereusement. Partage-la comme tu n'as jamais fait. Pour ceux qui n'ont jamais partagé de vidéo, aujourd'hui, prenez l'occasion pour partager cette vidéo pour attirer le plus grand nombre de personnes à écouter l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Les enfants de Dieu doivent se rassembler. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'occasion pour vous d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. On a déjà prié. Voilà, nous parlons de l'unité dans le corps de Christ. L'unité dans le corps de Christ. Et quand on parle de l'unité de l'Église, parfois les gens ne comprennent pas bien ce qu'on veut dire. Il faut déjà définir c'est quoi l'Église. Est-ce que l'Église, c'est l'Église catholique romaine? Vous savez que l'Église catholique romaine se prévaut d'être l'Église universelle de Dieu, de Jésus-Christ, et la seule Église de Jésus-Christ. On va voir ce que c'est que l'Église. Avant de parler de l'unité de l'Église, c'est quoi un chrétien? C'est quoi? Quand on parle de chrétien, il faut faire la différence entre chrétien, membre d'une dénomination, et chrétien, disciple de Jésus-Christ. C'est deux types de chrétiens différents. Ces choses, il faut qu'on les comprenne. Et donc, quand on parle de l'Église, est-ce que c'est l'Église évangélique? Parce que les chrétiens de l'obédience évangélique se disent aussi être, ça veut dire, ce sont eux les dépositaires de la vérité. C'est eux qui seuls sont de vrais chrétiens. Alors, est-ce que c'est la vérité? Les pentecôtistes, le mouvement pentecôtiste aussi dit, ah non, c'est nous qui détenons la vérité. C'est nous l'Église du Seigneur Jésus. Ils se considèrent comme la seule vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, finalement, c'est quoi l'Église? On te parle de l'Église. Pour mieux comprendre l'Église, parce qu'on va parler de l'unité de l'Église sans bien définir l'Église. Pour mieux comprendre l'Église, quand vous regardez dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 19, Jésus dit à l'apôtre Pierre, au titre Eich Petros, en ta vôtre Petra, au économie sur mon Ecclesia. C'est dans ce verset qu'on entend le mot Église pour la première fois dans la Bible. Le mot Église, lorsqu'il vient pour la première fois dans le sens grec et dans l'étymologie Église. Jésus-Christ est le premier à employer ce mot. C'est lui qui parle de l'Église d'abord. C'est Jésus. Il dit, je bâtirai au économie sur mon Ecclesia, je bâtirai mon Église. Alors, le mot « ecclesia » qui a donné « église » en français, il faut que je vous définisse bien ce mot pour que chacun comprenne bien ce que ça signifie. Le mot « église » en grec, étymologiquement, est formé de deux mots. On a « ek » et on a « ecclesia ».« Ek » veut dire « ordre ». « Ecclesia » veut dire « l'assemblée des travailleurs qui sortaient hors de la ville ». C'était l'ensemble de travailleurs, une assemblée, une association de travailleurs. Donc « ecclesia » voudrait dire l'association ou l'assemblée des travailleurs qui travaillent hors de la ville. On appelait les ecclesiais, qui est le pluriel de ecclesia. Ecclesiais, c'était des travailleurs, des ouvriers, qui sortaient d'une ville pour travailler en périphérie de la ville. Ce sont eux qu'on appelait les ecclesiais. Donc, dans le sens, Jésus-Christ va utiliser ce mot qui existait déjà avant, qui était utilisé et beaucoup utilisé même d'ailleurs dans la langue usuelle pour catégoriser une catégorie de personnes qui, ayant cru en son évangile, ont été mises à part, appelées hors du monde pour appartenir à Jésus-Christ. Un peu à l'image de ces ouvriers qui sortaient de la ville, étant faisant partie de cette ville, étant dans la ville, n'était plus de la ville parce que travaillant hors de la ville, en périphérie de la ville, donc si un malheur frappait la ville, eux ne seraient pas atteints parce qu'ils n'étaient pas dans la ville. Donc ça veut donc dire que l'église du Seigneur Jésus, l'église dont il est question dans le passage de Matthieu 16, verset 19,
Il dit entaute te petra oikodomes mouten ecclesia. Je bâtirai mon église. Cette église est formée d'un ensemble d'hommes et de femmes de toutes les races de la terre, de toutes les tribus de la terre, de toutes les religions, de toutes les dénominations qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel et ont pour dénominateur commun l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, la renonciation à la vie de péché et la nouvelle naissance. Et de cette nouvelle naissance, l'apôtre Paul dira Ose eichis en Christo kahine kitichis, ta arkahi apparelten idu gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, Ose eichis en Christo, Ose ei. Ça veut dire en grec que n'importe qui appartenant à n'importe quel genre, ça veut dire que homme ou femme, appartenant à n'importe quelle religion, catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, etc., musulman, zoroastriste, témoin de Jéhovah, etc., Ose eichis en Christ. C'est-à-dire n'importe qui, quelle que soit son obédience religieuse. Vous voyez donc que l'Église n'a rien à voir avec les obédiences religieuses, mais les gens sortent des obédiences religieuses, des religions, pour former l'Église de Jésus. Pour dire que le salut n'est pas dans la religion, le salut est dans le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça qui forme l'Église. Et cette Église dont il est question, dans ce verset de la Bible, dans Matthieu 7, 19, cette église-là n'a rien à voir avec une dénomination. Et en plus, ce n'est pas une église physique. Elle n'est pas d'abord physique. Elle est formée dans le règne spirituel de l'ensemble des croyants, de ceux qui sont nés de nouveau et dont les cœurs ont été circoncis par l'évangile et qui sont nés vraiment de nouveau et qui sont délivrés de leurs péchés. Il ne s'agit pas des personnes qui portent le nom de chrétien. Comme j'ai dit dans mon incipit, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens religieux qui sont membres des églises ou bien des dénominations. Ça peut être des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des diacres, des anciens ou bien des fidèles simples qui appartiennent à une obédience religieuse dont le nom est dans le registre d'une obédience religieuse, mais le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie éternelle. Avoir votre nom dans le registre de votre église, de votre obédience, ne veut pas dire que vous êtes reconnu par le ciel, non. Ça n'a rien à voir. Vous êtes chrétien terrestre. Vous appartenez à une religion, vous êtes un religieux. La preuve, c'est que vous êtes chrétien, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes pentecôtiste, mais vous continuez à vivre dans l'adultère, vous continuez à vivre dans les beuveries, dans la débauche, dans le mensonge, dans le vol. Vous allez chez les marabouts, vous pratiquez la sorcellerie et les arts magiques, vous êtes franc-maçon, vous êtes chrétien, maintenant vous êtes franc-maçon, vous êtes rosicrucien, vous êtes homosexuel, etc. Donc, vous n'êtes pas encore membre de l'Église dont Jésus-Christ est le fondateur. Vous êtes un membre de votre obédience religieuse. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Vous ne verrez pas Dieu. Alors, ce dont il est question ici, ce n'est pas l'Église catholique romaine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'Église pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas l'Église évangélique. Ça n'a rien à voir avec. Vraiment, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Quand vous regardez dans ce passage où la Bible parle de la fondation de l'Église, il n'y a pas le nom de l'Église catholique dedans, il n'y a pas le nom de l'Église pentecôtiste, il n'y a pas le nom de l'Église évangélique, il n'y a pas le nom de l'Église orthodoxe, il n'y a pas le nom de l'Église anglicane. Dans toutes ces tendances religieuses humaines et dénominationnelles, Jésus n'en fait pas part, il n'en fait même pas, il n'évoque même pas ces choses-là. Il n'en est pas le responsable, il n'en est pas le fondateur, mais son Église, et l'ensemble des hommes et des femmes appartenant à toutes les religions et qui ont accepté Jésus-Christ, renonçant aux traditions diaboliques de leur religion pour être nés de nouveau et qui, désormais, la seule vraie religion, c'est la Bible, la pratique de la Bible. Donc ça veut dire quoi? L'Église que Jésus-Christ a fondée n'a rien à voir avec notre dénomination. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que la religion nous a divisés. Il y a beaucoup de familles qui sont en guerre aujourd'hui parce que le mari est catholique, la femme est protestante, les enfants sont pentecôtistes. Et puis, à cause de cette divergence dénominationnelle, il y a divergence de vision doctrinale, etc. Et les gens, la famille explose, elle éclate. L'ignominie, l'inimitié, je voulais dire, et puis les divisions dans la famille, et puis l'animosité s'installe. La religion nous a divisés. Toute famille où une partie est musulmane, l'autre est chrétienne, l'autre est pentecôtiste, l'autre est catholique, vous trouverez que ces familles sont divisées. Or,
La nouvelle naissance nous unit. Quelle que soit ta religion, si tu es né de nouveau, si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, s'il t'a sauvé de tes péchés, si tu as abandonné ta mauvaise vie, ta vie passée, tu as renoncé à tout et tu as accepté Jésus-Christ et désormais tu mènes une vie de sainteté, tu appliques ton cœur à mettre en pratique la parole de Dieu, la Bible, alors automatiquement on est frère. Il n'y a plus les murailles, les barrières de catholiques sont tombées, les barrières protestantes sont tombées, pentecôtistes sont tombées, etc. Donc, si le pentecôtiste se dit, ah, c'est moi qui détiens la vérité, si tu n'es pas pentecôtiste, tu n'es pas sauvé, c'est une mauvaise conception, c'est faux, tu te trompes, tu ne comprends rien. Le pentecôtisme n'est pas le garant du salut. Tu ne seras jamais sauvé parce que tu es pentecôtiste, non. Si le catholique dit, ah, moi je suis catholique, j'ai ma carte de baptême, je prends ma sainte communion, j'ai été confirmé. Ça, c'est des choses religieuses, hein, c'est des pratiques religieuses. Ça n'a rien à voir avec ton salut. Alors, comme je suis catholique, mon père était catholique, ma grand-mère était catholique, alors je vais mourir catholique et j'irai au ciel. Vous vous trompez, vous n'irez dans aucun ciel, zéro ciel pour vous. Vous irez en enfer. Parce que ce n'est pas votre carte de baptême qui vous donnera accès au paradis. Vous vous dites, ah, moi je suis catholique, il y a le purgatoire. J'ai le purgatoire, moi j'irai au purgatoire. Non, on te trompe. Il n'y a aucun purgatoire. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, tu réponds de tes actes devant Dieu. Si tu as mené une bonne vie sur la terre, tu iras au ciel. Tu as mené une mauvaise vie, tu iras en enfer. C'est tout. Point barre. Le purgatoire n'existe nulle part dans la Bible. Ce sont les traditions d'hommes. On appelle ça les traditions d'hommes. C'est des choses, des doctrines que les hommes inventent pour vous tromper, vous maintenir dans le péché et esclaves de leur religion et non pas de Christ. Si tu meurs dans le péché, après la mort, on ne peut plus se repentir. C'est maintenant qu'on se repent. Quand tu meurs, c'est fini, ton dossier est classé. Si tu meurs pécheur, tu es mort pécheur, tu iras où les pécheurs vont se retrouver. Mais si tu meurs repentant, tu meurs comme un né de nouveau, tu iras où les nés de nouveau se retrouveront. Donc voilà un peu ce qui se passe en réalité. L'église de Jésus dont il est question, dont on parle de l'unité du corps de Christ. Quand je parle de l'unité du corps de Christ, il faut que les gens comprennent que le corps de Christ est au-delà des dénominations, au-delà des religions. Donc si tu penses parce que tu es protestant, tu es et l'église et l'EPC, ou bien tu es de l'EEC, l'EEC de l'EEC, Église évangélique du Cameroun, ou bien l'église évangélique, je ne sais pas, de France, ou bien d'où. Mon ami, tu te trompes lourdement. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu ne seras jamais sauvé parce que tu es membre de l'église évangélique. Ce qui te fera être sauvé, c'est la nouvelle naissance. C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et d'accepter que la Bible devienne ta seule vraie religion. Quiconque ne met pas en pratique la parole de Dieu, même si tu es fidèle à toutes les traditions de ton église, de ta dénomination, c'est-à-dire que tu es confirmé, tu es baptisé, confirmé, tu prends la sainte communion, tes saints sacrements, tu les as respectés, tu iras en enfer avec tes saints sacrements. Tu iras en enfer avec tes saints sacrements. Parce que tu ne seras pas sauvé à cause des saints sacrements. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc le salut, et la Bible dit que nous avons été sauvés au moyen de la foi, par grâce. Et au moyen de la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dira qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous serons sauvés en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dira, nul ne peut venir au Père que par moi. Et il dira, je suis le chemin, Anahua Shirat, Al-Haq Al-Hayat. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Ça dit que nul ne peut entrer au ciel qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, les raccourcis que les hommes ont créés par les religions, trompant l'humanité, que si tu es protestant, tu es sauvé. Si tu es catholique, tu es sauvé. Tu es pentecôtiste, tu es sauvé. Tu es musulman, tu es sauvé. C'est zéro. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés dans la mort, sont en train de crier là-bas, certainement dans les flammes éternelles de l'enfer. La religion ne vous sauvera pas. Ne dites pas parce que mon père était religieux, il était catholique, il était protestant, il était pentecôtiste, je veux mourir pentecôtiste. Non, naissez de nouveau. Naissez de nouveau. Répentez-vous de vos péchés. Si vous allez dans une religion et vous êtes toujours adultère,
vous allez dans votre religion, vous respectez l'Eucharistie ou l'Eucharistie, vous répétez les saints sacrements, vous respectez le baptême, la confirmation, la catéchèse, toutes ces choses-là, vous les respectez, mais votre vie n'est pas convertie, votre cœur n'a pas été circoncis par le Saint-Esprit, par la parole de Jésus-Christ. Mon ami, vous êtes un candidat de l'enfer, vous mourrez et vous ne verrez pas Dieu. La religion est en train de vous tromper, elle est en train de vous mener tout droit en enfer. Donc la question n'est pas de dire, mes parents sont nés catholiques, je vais mourir catholique. Donc même s'ils sont allés en enfer, tu iras en enfer parce que c'est tes parents. Ou mes parents sont nés évangéliques, moi je vais mourir évangélique. Donc même s'ils sont morts et allés en enfer, toi aussi tu dois mourir, aller en enfer bêtement parce que tes parents étaient évangéliques. Ou mes parents étaient pentecôtistes, je vais mourir pentecôtiste. Donc même s'ils étaient pentecôtistes, maintenant une mauvaise vie parce que c'était tes parents, tu vas les suivre dans leur égarement. Non. La vie éternelle n'a pas une question de parents dedans. Il n'y a pas une question de famille. La Bible dit dans, je pense, Genèse 19, verset 17 ou 19, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Le salut est individuel. Il n'y a pas question de ton père, de ta mère. La Bible dit de deux qui seront couchés dans le même lit. Un sera enlevé, l'autre sera laissé. Donc ça veut dire que dans un couple même, il y a un qui sera enlevé pour le ciel, l'autre ira en enfer. Donc le salut est individuel et nous devons comprendre l'importance, la quintessence, la pertinence de l'individualisme du salut. Donc il faut d'abord comprendre, quand on parle d'unité de l'Église, il faut comprendre c'est quoi l'Église. Je ne parle pas d'une dénomination religieuse. Il faut que ce soit propre et clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. L'Église de Jésus, ce n'est pas une dénomination. Les dénominations, c'est les hommes qui les ont bâtis. Rema Ministry Mission est une identité. C'est une identité. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. C'est une identité qui identifie les membres d'une dénomination dans laquelle on peut trouver maintenant des sauvés. C'est une dénomination qui rassemble les appelés et qui doit travailler pour que ces appelés deviennent des sauvés, des rachetés. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une dénomination sans avoir de sauvés dedans. Donc notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, c'est d'enseigner la vérité à ceux qui appartiennent à notre dénomination pour qu'ils soient sauvés. Donc les appelés se rassemblent et on en fait des élus. Donc il peut avoir une association d'appelés et dedans on ne trouve aucun élu. Donc la lutte de chaque responsable religieux, de chaque pasteur, doit être de faire des appelés de sa dénomination des élus. C'est important de le dire. Vous voyez. Donc l'unité du corps de Christ est très importante. Tout pasteur, la Bible dit, il y a un seul corps. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps et un seul esprit. Donc ça veut dire quoi? Que l'église de Jésus-Christ est une seule église. Et ce corps est invisible. Il est invisible, il n'est pas visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que personne ne sait qui est sauvé. Personne. Personne ne peut dire que tel est sauvé. Tu ne peux pas dire que tel pasteur est sauvé ou tel membre de ton église est sauvé parce que tu t'appuies sur ces actes de justice visibles. Peut-être cette personne qui est fidèle dans les dîmes, les offrandes, qui est dans les réunions tous les jours, qui rend le service au Seigneur tous les jours en secret, mène une vie de péché, une vie de débauche, une vie de manque d'intégrité devant Dieu. Et toi, tu vas regarder ce qui frappe aux yeux, comme la leçon que Dieu a enseignée au prophète Samuel. Il dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas le cœur que nous sommes sauvés. C'est ton cœur qui justifie ton salut. Donc, tu peux voir quelqu'un, l'homme de Dieu, il est engagé dans l'œuvre de Dieu, mais en cachette, mon ami, c'est un pécheur. C'est un impie. Tu peux aussi voir un chrétien, une soeur en Christ, elle est engagée dans l'église, elle te soutient, elle bénit le ministère, elle fait tout, les dîmes, elle paye les grosses offrandes, les grosses enveloppes. Elle donne, elle offre le terrain à l'église. Mais en cachette, va chez les marabouts. Elle n'est pas convertie. Donc c'est pour cela qu'on dit que seul Dieu connaît ceux qui sont sauvés. Et ça, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, l'expliquera clairement. Quand vous lisez 2 Timothée 2, verset 19, la Bible dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous verrez donc ici, les trois éléments sont rassemblés. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure. Ce fondement, c'est quoi? C'est l'Église.
Interrompte Petra, économie sur mon ecclesia. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il faut comprendre que les catholiques ont essayé de détourner un peu ce verset biblique en disant que non, le roc là, c'est l'église catholique romaine, ou bien c'est l'apôtre Pierre. Non. Il dit Otis ou Eis Petros. Le mot Pierre, le nom Pierre, c'est Petros en grec. Et il dit Entaute Petra. Ce sur quoi il bâtit l'église, c'est Petra. Entaute Petra. Ou Ekotome se moutel Ecclesia. Je bâtirai mon église à moi. C'est son église, c'est pas l'église de quelqu'un. Son église, ça pas d'église. Vous voyez. Donc, Petra veut dire le rocher. Et ce rocher, pour mieux comprendre qui est ce rocher, l'apôtre Pierre expliquera que Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Et il est une pierre vivante et nous aussi, nous sommes les pierres vivantes. Donc, cette pierre-là, c'est Christ lui-même. Donc, il disait que sur moi-même, je bâtirai mon église, pas sur Pierre. Il dit à Pierre qu'on t'appelle Pierre, mais sur le roc que je suis, mon église sera bâtie. Donc l'église est bâtie sur Jésus-Christ lui-même. Entaudete Petra, oikodomes mouten, ecclesia. Et l'apôtre Paul nous expliquera même que le rocher d'Horeb, c'était Jésus. Le rocher qui a frappé Moïse, en sorte qu'il a perdu Canaan, c'était Jésus. Donc, ce rocher, ce roc dont il est question, c'est Christ et pas Pierre. Pierre est assez petit pour que l'église de Jésus-Christ soit bâtie sur lui. L'église ne saurait être bâtie sur un homme. Mais la fondation de l'église, c'est les prophètes et les apôtres. Cette fondation est bâtie sur le roc que le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre donc que l'église dont il est question, c'est tout ce dont la foi est bâtie sur Christ. Elle est bâtie sur Jésus et non sur un homme. Et non sur un pape. Et non sur un archevêque. Et non sur un prophète. Et non sur un apôtre. Et non sur un évangéliste, et non sur un pasteur, etc. Tous ceux dont la foi est bâtie sur les hommes ou sur la religion sont perdus. Leurs âmes sont perdues. J'ai pitié d'eux. Ta foi doit être bâtie sur Christ et sur Christ seul. Il est le seul bon berger. Jésus lui-même dira, Ego eimihe o pohimen o kalon. Moi seul, je suis le vrai bon berger. Le seul vrai bon berger. Vous voyez. Et il dira encore, Ego eimihe o tura. Moi seul, je suis la porte, la vraie porte. La porte par laquelle les brebis doivent entrer. Et dit, Ego eimihe o aleitehia. Je suis, Ego eimihe o odos. Je suis le chemin. Kaiho aleitehia, la vérité. Kaito hezoe, et la vie. Donc Jésus est en même temps la porte. Il est la seule vérité et il est la vie. Donc ton salut doit être basé sur Christ. Et non sur ton pasteur. Aujourd'hui, vous voyez, le problème que nous avons, c'est que les chrétiens basent leur foi sur leurs hommes de Dieu, sur les prophètes. C'est qu'un homme de Dieu peut apporter dans ta vie, c'est au moins 30% tout au plus. Les 70% de ton salut, c'est toi qui travailles. Donc ta foi doit être basée sur la Bible. Travaille pour avoir une relation personnelle avec Christ. Fonde ton espérance sur Jésus et non sur un homme. Tous ceux qui mettent leur confiance dans leur homme de Dieu seront dans la confusion. Parce que tu vas trouver la limite de ton homme de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui soit tout puissant. Il y a ce que nous devons faire. Il y a ce que Dieu fait. Ce que Dieu seul peut faire. Aucun homme ne peut le faire dans ta vie à la place de Dieu. Voilà pourquoi parfois tu seras confus. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'une intervention divine. Et ton pasteur ne peut rien. C'est un homme. C'est ça la vérité. C'est un pauvre humain comme toi. Il ne peut pas. Si Dieu n'intervient pas, il ne peut pas. Dieu ne met pas une parole dans sa bouche devient normale comme ta bouche. Dieu ne met pas sa puissance, son onction sur sa main devient une main quelconque comme celle d'un homme quelconque. Donc, en somme, celui sur qui notre foi doit être basée, c'est Christ. Concernant maintenant l'unité du corps de Christ, tout homme de Dieu qui prend son pupitre pour prêcher contre une autre église, contre un pasteur, contre des frères, n'est pas de Dieu, il fait l'œuvre du diable. Cette œuvre n'est pas de Dieu. Tout chrétien qui sabote d'autres frères parce qu'il ne pratique pas les mêmes choses qu'eux est du diable. Il fait l'œuvre du diable et non pas l'œuvre de Christ. La Bible dit il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est-à-dire que dans l'église universelle, dans cette église-là, on a des gens qui sortent de l'islam, on a des gens qui sortent du catholicisme, on a des gens qui sortent du protestantisme, on a des gens qui sortent de l'église pentecôtiste. Comme beaucoup seront perdus dans l'église pentecôtiste, parce que l'église pentecôtiste, son orgueil le perd.
Hein? L'église pentecôtiste se prévaut d'avoir la vérité. C'est pour cela aussi que beaucoup dans l'église pentecôtiste sont ignorants. La plupart des cas de calomnie, c'est dans l'église pentecôtiste. Les jalousies, les combats, les coups bas, des pasteurs qui s'empoisonnent entre eux, c'est dans l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste fait partie des églises les plus charnelles. C'est pour ça que j'ai parfois l'habitude de dire que je ne suis pas un pentecôtiste, je suis un chrétien. Je ne suis ni pentecôtiste, ni protestant, ni presbytérien, ni rien, ni rien, ni rien. Pentecôtiste, c'est le nom qui identifie un mouvement de chrétiens qui croient au baptême dans le Saint-Esprit, qui croient au plein évangile, que la Bible peut agir encore aujourd'hui. Mais ce mouvement est en train de monter ses limites aujourd'hui. Ce mouvement pentecôtiste est en train de s'essouffler. Bientôt, il y aura un autre mouvement qui va prendre le relais. Vous voyez? Par exemple, quand l'église catholique romaine a commencé, quand elle a commencé à s'essouffler, allez, le mouvement évangélique est venu avec Martin Luther et c'est venu pam, 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 pam. Après cela, le mouvement évangélique a commencé à s'essouffler, c'est-à-dire le mouvement évangélique protestant a commencé à s'essouffler et pam, le mouvement pentecôtiste en 1905 avec des gens comme William Seymour a aussi pris sa flamme, pam, 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 et le mouvement pentecôtiste est en train de s'essouffler aujourd'hui. Plein de pentecôtistes sont inconvertis, plein de pentecôtistes sont homosexuels, plein de pentecôtistes sont des sorciers, plein de pentecôtistes sont des calomniateurs et des inconvertis patentés. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est l'église. Hein? Donc, ça fait que le mouvement pentecôtiste est en train d'aller vers sa fin, son déclin. Bientôt, il y aura un autre mouvement qui va se lever. Mais il faut comprendre qu'à travers ce mouvement, l'église de Dieu, elle, subsiste toujours. Et dit néanmoins, le solide fondement de Dieu subsiste. L'église de Dieu ne peut pas mourir. L'église de Dieu ne peut pas tomber. Elle ne peut même pas décliner. Pourquoi? Parce qu'elle est formée de tous ceux qui dans le monde entier ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et dont la foi a été épurée et purifiée par la parole pure de l'Évangile. Ils ne pratiquent plus le péché, ils ont été délivrés de leur péché et ils mènent une vie de justice, de droiture et d'intégrité devant Dieu. À travers eux, on peut voir la gloire de Christ. Ceux-là, ils sont universels. L'homme peut tomber, une dénomination peut tomber, une assemblée locale peut tomber. Mais l'église universelle et invisible de Christ est debout. C'est elle que Jésus viendra chercher. Ce n'est pas les dénominations que Jésus-Christ reviendra chercher. Non, Jésus ne reviendra pas chercher le plein évangile. Vous vous trompez. Pourquoi? Parce que dans le plein évangile, ce n'est pas tous qui sont sauvés. Il y a certainement une poignée qui est sauvée. Jésus ne reviendra pas chercher tout Réma. Non, il viendra prendre ceux dans Réma qui ont eu à cœur de mettre en pratique sa parole et de se laisser naître de nouveau. Ouais. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et d'aucun autois exousia tegnateu genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être conçus et accouchés de Dieu. Vous comprenez? Donc il faut comprendre que c'est important. Ce qui est plus important dans la vie d'un croyant, ce n'est pas les guerres intestines, les guerres religieuses, les guerres interdénominationnelles, c'est de naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? As-tu été sauvé et racheté de tes péchés? C'est ça qui te fera sauver. C'est ça qui te sauvera. Vous comprenez? Moi-même qui suis homme de Dieu, mon ami, je me bats pour me sauver. Je me bats pour me sanctifier. Je me bats pour fuir le péché. Pour résister au péché jusqu'à la tunique souillée. De peur qu'après avoir prêché, que je sois rejeté. Ce serait une très grande honte. Car la vie éternelle, au jour du grand jugement, qu'on voit que le prophète Carl Ferdinand n'est pas parmi les rachetés. Je fais attention à ma propre vie. Comme je te prêche, je me prêche d'abord. Quand je te montre comme ça, le doigt comme ça là, il y a un, deux, trois doigts qui sont sur moi. Deux sur toi. Ça veut dire que trois fois, je dois faire attention à ma propre vie. Comment je mène ma vie secrète? Comment je mène ma vie privée? Comment je vis en dehors de l'église? C'est important. Je dois faire attention à ma propre vie. Je suis conscient que si je prêche, c'est que je ne vis pas. Je suis perdu. Mon âme est perdue. Je vous sauverai, mais moi je mourrai. Oh, je ne peux pas accepter que toi qui es ma brebis, la brebis que Dieu m'a échue en partage, tu sois sauvé pour que moi j'ai accroupi en enfer. C'est ça le danger donc. C'est là que l'affaire devient très sérieuse. C'est là que l'affaire devient importante. Tu peux prêcher aux autres sans être sauvé toi-même. Tu peux aller à l'église, tu évangélises dans ton quartier. Tes amis, tes camarades, ta coiffeuse, elle vient à l'église, elle saisit Jésus. Demain, elle est sauvée, toi tu es perdu. C'est ça la vérité. Que chacun fasse
attention à sa propre vie. Bats-toi pour ta vie. La Bible dit, sauve-toi pour ta vie. Genèse 19, 17. Au 17, 19. Il dit, sauve-toi pour ta vie. Donc, chacun doit se sauver. Chacun doit se battre pour échapper à ces générations perverses et corrompues où l'injustice est appelée justice, où la justice est appelée injustice, où le péché est appelé sainteté, où la sainteté est appelée péché, où lorsque tu manifestes la foi chrétienne, tu dis que tu es enfant de Dieu, on se moque de toi. Ah, voilà, ce sont eux, les troubles faits. Vous comprenez? Donc, sauve ton âme. Sauve ton âme. Si tu étais un membre d'une dénomination et d'une religion, s'il te plaît, bats-toi aujourd'hui pour devenir membre de l'Église universelle de Christ. Que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. Quelle vie tu mènes en secret? C'est ça le problème. Ton vrai problème, c'est la vie secrète que tu mènes. La vie privée, ta vie privée est-elle droite? Est-elle juste? Est-elle dans l'intégrité? Est-ce que tu mènes une vie de sainteté? Si tu es chrétien, tu viens à Réma, tu vas dans telle dénomination, catholique, protestant, etc. Tu sors avec les maris d'autrui. Tu trouves le foyer d'autrui. C'est un problème sérieux pour toi. Tu vas encore chez les marabouts. Tu es plein de jalousie. Tu es plein de haine, etc. D'adultère. Tu es un ivrogne. Tous les jours, whisky sur whisky. Tu bois des breuvages alcoolisés, etc., etc. Tu vas en boîte de nuit et tout cela. Tu es différent d'un païen en quoi? En rien. Certes, tu es membre confirmé de ta dénomination, de ta religion, mais après ta mort, tu iras en enfer, mon ami. La Bible dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Christ et de Dieu. Rien d'impur. Aucun impudique, aucun menteur, aucun voleur. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, la Bible dit que leur demeure sera dans le feu ardent, l'étang ardent de feu qui est la Géhenne. Donc, qu'on ne te trompe pas. Si tu mènes une mauvaise vie, tu peux être un bon membre de ta religion, mais si tu mènes une mauvaise vie, Dieu ne fait exception de personne. Tu seras jugé, condamné devant le tribunal de Jésus. Être pasteur, ça ne veut rien dire. Être prophète, ça ne veut rien dire. Être apôtre, en réalité, ça ne veut rien dire. Si la crainte de Christ n'est pas dans mon cœur, ça ne veut rien dire. Je peux être une bénédiction pour toi, mais je suis en train d'aller directement en enfer. Donc, je fais attention comme Paul. Je me bats pour sauver mon âme d'abord. Quand je te prêche là, moi-même, je prends conscience. Ma robe doit être propre. Ma robe doit être lavée. Je dois faire attention aux pas que je mets sur la terre en tant que pèlerin. Je dois me méfier avec qui je marche. Je dois me méfier de quoi je touche. Je dois faire attention de peur d'être rejeté au dernier jour après avoir prêché Christ aux autres. Donc je me bats moi aussi comme tu te bats là. Si tu voyais comment je me battais, mon ami, tu n'allais pas jouer avec ta vie éternelle. Tu n'as pas t'amuser avec ta vie éternelle. Et ça, c'est propre à tous les hommes de Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a pas de petit homme de Dieu. La grandeur se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis que tout homme de Dieu qui prend son pupitre pour prêcher contre d'autres hommes de Dieu ou qui calomnie d'autres hommes de Dieu est un agent du diable dans l'église. Et Dieu le jugera pour cela et le condamnera. Parce que quiconque ne travaille pas pour l'unité du corps de Christ, qui est la responsabilité première de chaque homme de Dieu, travaille pour le diable. C'est le diable qui cherche à diviser les enfants de Dieu. C'est le diable qui cherche à répandre la calomnie, les médisances, les colportages, etc. Dans le ministère du lavement de pieds, Jésus a dit que nous devions nous laver les pieds les uns les autres. Donc quand tu vois que les pieds de ton frère sont sales, tu dois courir, chercher de l'eau et une bassine, te cindre le rein, et puis les reins, et puis laver ses pieds entre vous, et que ses pieds soient propres. Tu auras gagné un frère, et nous aurons gagné, Satan aura perdu une victime. Donc, mais, si tu vois la saleté sur les pieds de ton frère, tu prends plutôt ton Facebook, ton téléphone, pour aller exposer ça au monde entier. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons honte au christianisme. C'est les chrétiens. Les païens, eux, ils ne connaissent rien de ce qui se passe dans la maison. C'est nous qui portons les affaires de la maison pour aller exposer ça dehors. Honte sur ceux qui le font. Honte sur ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour aller exposer la vie des hommes de Dieu bien, les infirmités de leurs frères, de leurs soeurs en Christ. Honte sur vous. Honte sur vous. Honte sur vous. Vous vous faites anathème et vous attirez l'anathème sur vous. L'apôtre Paul a dit, lorsque vous avez un différend entre deux frères, c'est devant les païens que vous allez. Devant les païens que vous allez vous plaindre. Et c'est les païens que vous réconciliez. Et Paul dit, c'est une honte. Comme, depuis quand la lumière du monde doit aller vers les ténèbres pour trouver la solution à ces problèmes?
un enfant de Dieu né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, et tu vas demander des conseils à un non-croyant, quel conseil il peut te donner? Quel conseil les ténèbres peuvent donner à la lumière? C'est nous qui devrions plutôt donner des conseils et des orientations à la lumière. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Aujourd'hui, la lumière en nous devient des ténèbres. Nos ténèbres deviennent plus noires que les ténèbres des non-croyants. Nous vivons en dessous. C'est-à-dire que nous nous sommes faits esclaves des non-croyants. C'est eux qui ont encore la lumière. Leurs ténèbres illuminent nos ténèbres. Et c'est une erreur, c'est une grave erreur. C'est nous qui devons être des modèles, des exemples. Dans les taxis, nous parlons des choses honteuses sur l'église, sur les hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. On raconte des choses. Un jour, j'étais dans un taxi, j'ai subi deux chrétiens qui insultaient un homme de Dieu, un homme de Dieu connu, qui racontait des choses sales sur la vie de cet homme de Dieu. Et le chauffeur du taxi a posé la question à savoir, vraiment vous êtes de ces églises-là? Donc, vous vous faites honte comme ça, vous n'avez pas honte de parler de vos choses devant des gens qui ne croient pas en ces églises? Vous voyez? Et c'était une leçon d'humilité pour eux. Donc, s'il vous plaît, comprenons que l'église doit être unie et nous devons travailler pour l'unité dans l'église. Si tu penses que quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, va vers ce frère, va vers cette personne. Cherche à entrer en contact avec la personne. Parle-lui, dis-lui qu'à la lumière des Écritures, je pense que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si la personne est de Dieu, elle vous écoutera parce que celui qui est de Dieu écoute les conseils. Que Dieu te bénisse. Prions pour l'unité de Dieu, de l'Église au Cameroun et dans les nations où nous nous retrouvons et dans le monde entier. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, partage cette vidéo, partage-la. Le programme qui devrait avoir lieu à Douala à partir de cette semaine, je l'ai repoussé pour la semaine prochaine. Donc le programme de Douala est repoussé pour la semaine prochaine. Donc on va avoir programme à Douala le 15, le 16, le 17 et le 18. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On sera à Douala pour 4 jours de puissance. Et je serai à Douala dimanche, ce dimanche, tous les dimanches à Douala à partir de 16h pour les services de lavement de pieds. À Yaoundé, on a deux cultes. 7h, 10h, 10h, 13h. Ne manque pas à la Bire le service de lavement de pieds qui est symbolique et qui est puissant. Pour laver les malédictions de ta vie, laver les fondations résistantes dans ta vie, laver ces maladies, nous le faisons, c'est un acte prophétique que le Seigneur a imposé à son église. Pendant que nous le faisons, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était méchant, tout ce qui était source de malédictions, de pleurs, de soucis pour ta vie, sera lavé au nom précieux de Jésus. Et pour tous ceux qui sont connectés en direct, tous nos enfants en direct, nous allons vous faire le lavement des pieds en direct. C'est-à-dire que vous allez prendre, chacun prépare sa bassine pour ce dimanche. On va faire ça, on aura trois directs. 7h, 10h, 10h, 13h et puis 16h, 20h. Donc pardon, prépare ta bassine, toi qui ne seras pas présent. En ligne, un signal donné, je vais prier sur les bassines, sur l'eau. Vous allez verser sur les bassines et puis je vais ordonner, vous allez laver les pieds. Et la même grâce qui va se passer dans nos salles va aussi se passer chez vous. Et tous les habitants de Yaoundé, s'il te plaît, ne manque pas. Prends ton bus, voyage. Viens à la Bille ces 4 dimanches de mars. 7h, 10h, 10h, 13h. Ne manque pas. La gloire de Dieu veut te toucher. Dieu veut laver l'ignominie et la honte de ta vie. Tous ceux qui sont à Edeya, Bamenda, Tiko, Boya, partout autour de Douala, tous les dimanches, 16h, je suis à Douala. Et la semaine qui arrive, le 15 mars, lundi le 15, mardi le 16, mercredi le 17, jeudi le 18, nous aurons 4 jours de puissance, tous les soirs 17h. Et jeudi, nous aurons l'opération 2 minutes avec le prophète face à face, à partir de 9h, 8h. On sera là pour cela. Que Dieu te bénisse. La main de Dieu, dans ce mois de mars, agira avec puissance pour ôter les vêtements de la honte de ta vie. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Rendez-vous ce vendredi, tous les vendredis à la Bille à Yaoundé, chez les habitants de Yaoundé. Le mois, si tu manques à nos cultes, c'est que tu n'aimes pas ta propre vie. Donc ce vendredi, à partir de 16h à la Bille, nous avons atmosphère de miracle. Nous renversons les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, puissants des ténèbres dans ta vie. C'est un vendredi de délivrance. Que la main de Dieu agisse en ta faveur dans le nom précieux de Jésus. Nous respectons les mesures barrières, chacun avec son masque et la distanciation de sécurité sera respectée. Il y a l'eau à l'entrée de l'église pour laver les mains et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.